Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, nous achevons enfin la discussion sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Nos débats auront été atypiques cette année puisque le Sénat, ayant rejeté le texte en première lecture, c'est seulement aujourd'hui, au stade de la lecture définitive, que nous pouvons nous saisir de ses apports et de ses modifications. L'examen de ce PLFSS aura également été marqué par l'annonce de mesures d'ampleur pour soutenir l'hôpital public. Une nouvelle fois, notre groupe salue ce plan d'urgence et l'effort budgétaire qu'il traduit. Il s'agit là d'une réponse forte à la détresse et à la colère exprimée par les personnels soignants, dont la situation s'est fortement dégradée depuis des décennies. Nous tenons ici à saluer leur engagement. Le relèvement de l'ONDAM pour 2020, le portant à 2,45% par rapport à 2019, donc 2,4% pour l'ONDAM hospitalier, est une première étape importante parmi celles qui entreront en vigueur au cours de l'année prochaine. Il nous apparaît donc nécessaire de rétablir l'article 59 supprimé par le Sénat. Ce texte, malgré les contraintes budgétaires, contient de nombreuses dispositions allant dans le sens d'une simplification de notre système de protection sociale, d'une meilleure valorisation du travail et d'une augmentation du pouvoir d'achat, répondant ainsi aux revendications de justice sociale exprimées ces derniers mois par les Français. Les dispositifs de financement des hôpitaux de proximité et de la psychiatrie, la réorganisation de plusieurs secteurs clés de notre système de santé ou encore l'instauration d'une garantie pluriannuelle de financement des établissements de santé sont autant de points très positifs que soutient notre groupe. Ces mesures que viennent compléter le plan de soutien à l'hôpital public de 1,5 milliard d'euros s'inscrivent dans la démarche globale votée dans le plan Ma Santé 2022 qui portera ses fruits à moyen terme. Notre groupe soutient également l'investissement de 500 millions d'euros sur le chantier du grand âge et de l'autonomie en anticipation de la loi prévue pour la fin de l'année. Toutefois, nous rappelons que l'effort pour le secteur du soin à domicile amorcé cette année devra perdurer afin de garantir une réforme de la dépendance équilibrée. En outre, le soin à domicile ne peut être décorrélé des aidants familiaux qui y jouent un rôle fondamental et sans lesquels la prise en charge des personnes dépendantes, malades et handicapées devient impossible. C'est pourquoi les députés du groupe Modem saluent l'indemnisation du congé de proche aidant, mesure qui était attendue depuis longtemps par le secteur. C'est un progrès significatif, mais il ne peut s'agir que d'une première étape, nous l'avons déjà dit, notamment sur la question de la durée d'indemnisation. Le Sénat, par l'intermédiaire de Jocelyne Guidez, a instauré un mécanisme visant à garantir la sincérité budgétaire du financement de cette allocation en affectant des fonds pérennes à la branche famille et à l'exonérer de la CSG. Cela nous semble aller dans le bon sens afin justement de sécuriser la mesure dans le temps et envisager sa montée en charge à l'avenir. Sur un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, nous nous réjouissons de la création d'un parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Il s'agit là d'une mesure innovante et essentielle qui a été enrichi d'un dispositif spécifique au cancer pédiatrique. Nous serons naturellement partie prenante dans la mise en œuvre de cette mesure très importante pour les enfants malades. Sur la question de la politique familiale, je l'ai redit et donc je le re-redis cette année encore, nos propositions, notamment sur le versement de la prime de naissance, sont restées lettres mortes, bien qu'elles aient été modestes. Nous le déplorons, mais nous continuerons à travailler avec toutes les bonnes volontés pour consolider le socle de la politique familiale. À ce titre, la mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis du XXIe siècle poursuit ses auditions et permettra d'aborder cette question au-delà d'un texte budgétaire qui ne peut laisser toute la place à un véritable débat de fond. Nous prenons donc rendez-vous dès l'année prochaine pour formuler des propositions qui viseront à donner les impulsions nécessaires aux familles de notre pays dans la société d'aujourd'hui. Je vous remercie.